Du vent qui reste offshore sous la pluie ce midi, rebonjour à toutes et à tous en un temps gris, couvert et pluvieux avec une température extérieure à 11 degrés, une température de l'eau à 13 degrés, une marée qui est en train de descendre, le plein bas est à 13h45 avec des coefficients de 76. Sur cette fin de marée descendante, le vent est offshore avec un secteur sud-est, faible, un beau fort, le plan d'eau est lisse et même plus propre que ce matin, avec une houle qui est à le longue avec 13 secondes de période orientée ouest à ouest-sud-ouest, encore un peu multipique mais quand même un peu plus rangé. Et qui est en légère atténuation. Maintenant, la plupart des séries tombent à la hauteur de 3 mètres. Et vous allez le voir après, il reste encore quelques rares grosses séries tombant à la hauteur de 3,50 m. Quand il n'y a pas les séries, il y a 2,50 m. Bon, mais c'est joli à regarder. Pour y avoir des vagues surfables, hein, pour des surfeurs motivés, en forme, équipés, connaisseurs, volontaires. Mais là, il n'y a personne à l'eau. Et des conditions plus faciles d'accès et encore propres sur les spots de repli. Ouh, c'est touffu. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle qui continue de baisser légèrement, la boue Arcachon est stationnaire à 3 m 90 et 9 secondes, à 13h, 3 m à 3 m 50, houle ouest à ouest-sud-ouest, 13 secondes de période en sud-est à M. Beaufort, et à 17h, 2 m 50 à 3 m, houle ouest à ouest-sud-ouest, 13 secondes de période avec le vent qui est attendu prendre, au nord-ouest 4 Beaufort, bon... C'est pas gagné. Tenir pour jouer à la cano, là, il y a... Voilà, hein, spot de repli tant que le vent est faible. Prochain point demain matin, 8h30. Merci.